Eh bien, bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne année à tous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne croyais pas témoigner ce soir, et puis les garçons m'ont appelé pour témoigner, alors je remercie parce que ça me fait plaisir. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais ils ne me connaissent pas. Parce que chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Et il n'y en a toujours pas beaucoup de chrétiens. Et on a des garçons qui étaient pas des mauvais garçons, pas des malfaisants non plus. On ne faisait rien de mal. Mais on n'aimait pas bien les chrétiens. On disait les baptisés, ils sont encore là. Les baptisés, ils sont derrière le micro. Ils se cachent. Ils ont peur d'affronter le monde. Ça, c'est mon témoignage. Ils ont peur d'affronter le monde. Et nous, on était des garçons que nous, il n'y avait rien qui nous dérangeait. Il n'y avait rien qui nous dérangeait. On était des garçons que voilà, c'était comme ça. C'est pas vraiment la gloire de Dieu, mais je suis obligé de le dire. On était des garçons malfaisants. Il n'y avait rien qui nous dérangeait. Et le Seigneur, un jour, il s'est fait connaître à nous. Amen. On ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Il y a plein de gens là, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qui devrait s'approcher un petit peu plus. Parce que le Seigneur, il a des grandes choses, des grands projets pour nous. Amen. Il fait vraiment des bonnes choses. Amen. Chez moi, il m'a donné 4 enfants, et ces 4 enfants, ils sont chrétiens. Amen. Il y en a un qui est serviteur. Amen. Mes 2 gendres et mes 2 belles-filles, ils sont chrétiens. Amen. Il y en a un qui va se lever pour servir. Amen. Et ma femme, elle est chrétienne. Nous, on a passé par des creusés, par des fossés. On a eu vraiment des problèmes dans la vie. On a vraiment eu des problèmes. Eh bien, c'est grâce à Dieu qu'on est là. Amen. Le Seigneur, il a posé sa main sur nous. Et on était catholiques. On était catholiques à 1000%. C'est pour ça que quand on voyait les chrétiens, nous, pour nous, c'était pas... Il n'y avait rien de Comment je peux expliquer ça? Il y avait rien de spécial parce que les chrétiens, voilà, ils étaient ensemble, ils rigolaient, ils buvaient, ils mangeaient. C'était leur vie, ils priaient, ils étaient contents. Mais nous, on croyait qu'on faisait des grandes choses, on s'est rangés, on allait dans des pays à l'étranger, on a été à Rome, on était à droite, à gauche, on était souvent à Lourdes, on était c'est le Paris de la mer, c'est à côté de chez nous. On était à Ars, on était, je ne sais pas moi, on avait le projet d'aller à Fatima au Portugal, hein. On devait faire plein de trucs. Et le Seigneur, il a dit, un jour, vous verrez, alors soyez près de moi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai tout laissé baptiser mes enfants. Il y en a un, je vous explique en deux mots. Il y en a un qui un jour, je reçois des gens chez moi pour manger parce que c'est... C'est comme ça, la coutume, c'est qu'on mange ensemble. C'est vrai les frères. On mange ensemble, c'est comme ça. Nous, on a eu l'honneur de... Un jour, j'invite des serviteurs chez moi. Et un jour, mon fils, il vient au roi, il dit... Mon père a dit, je voudrais dire quelque chose. Au moment où il y avait des serviteurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, je dis, plus tard, tu vas me parler, plus tard. Moi, je croyais qu'il voulait me dire quelque chose d'un peu bizarre, toi. Je lui dis, plus tard, tu me dis, tu me parleras. Il me dit, mon père, il dit, je veux me baptiser. Je dis, quoi, tu veux te baptiser? Je lui dis, tu connais les choses de Dieu? Tu ne connais pas les choses de Dieu. Mais si, mon père, je connais les choses de Dieu, ça fait longtemps que je vais à la Réunion, j'y vais en cachette de toi, parce que nous, on ne voulait pas qu'il va à la Réunion. Je vais en cachette de toi à la Réunion. Il dit, j'y vais avec la maman, tout ça. Ben, j'ai mon fils, j'ai dit, écoute-moi, laisse-moi tranquille. Il y avait des serviteurs, hein. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien dire. Ben, j'ai mon fils, laisse-moi tranquille. Alors on parlera un petit peu plus tard. Et puis au long du repas, ça me tournait dans la tête, ça me tournait. C'était le Seigneur qui me travaillait. Il me dit, mon fils, tout à l'heure je t'ai dit que tu ne veux pas le baptiser, tu te baptiseras si tu veux. Parce qu'il ouais, me dit, il me dit oui mon père, je suis content. Il dit. Alors 10 minutes après, j'avais le téléphone, comme c'était la même maison, j'avais le téléphone. Et il téléphone à son frère et il dit « Opa, tiens, il veut te parler, Mirando. » Je dis « Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là »
Ben, il dit, il veut se baptiser aussi. Je dis, ah, qui me laisse tranquille. J'ai deux baptisés le même jour. Je dis, c'est même pas la peine. Alors, après, je me suis marié, bien sûr. Hein. J'ai deux baptisés le même jour. J'ai deux. Et ça n'a pas traîné, ça a traîné, ça s'est dit au mois de décembre. Et puis, dans le mois de janvier, ils sont baptisés, mes deux fils. Voilà. Et il y en a un qui s'est levé pour servir. Alors, pour les frères que je connais, qui sont là, qui ne sont pas baptisés, qui sont chrétiens parce qu'ils suivent, mais qui ne sont pas baptisés, qui fassent un pas avec le Seigneur, et le Seigneur en fera deux pour eux. Amen. Amen.